Bonjour les gens. Bonjour les gens. Il y a Mimi, il ne veut pas dire bonjour Mimi. Bonjour les gens. Ah, et il y a Lily qui tient le téléphone. Ah, bonjour. Alors, on est avec une entreprise de... Nous on a fait tomber les pains, vous les verrez plus tard. Et on est avec une entreprise de bûcheronnage. Donc, pour une fois qu'on a des vrais bûcherons et nous, à vous faire voir le bébé qui va passer là. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc là, non, c'est celui-là. Les pains, il faut sauter. Ah, pas le chêne. Donc, on va vous faire voir ça, les messieurs là-bas. On va vous faire voir le des bûcherons à l'œuvre. Pour une fois qu'on en a avec nous. C'est clair, pas tous les jours. C'est pas tous les jours. Ah, tu coupes avec quoi? Ah voilà, une style. Une 441. Et le casque se varna hein, quand même. Ils sont pas racistes. Ah!
C'est beau ça. Ça sert à quoi le truc orange du coup? C'est un couet. C'est fait pour couiner. Non, c'est fait pour le guider. Il est pas perdu. Faut pas qu'il tombe de l'autre côté. Alors, il est pas beau ce tabatage. Donc là, vous avez. Mézergue Marc. Romain Guillemard. Et l'autre qui se casse là, qui est le chauffeur du tracteur. Benjamin. Ton nom de famille c'est Thibaut. Voilà. Donc lui, j'ai conduit ça là-bas. Là, le truc. Voilà. Donc voilà. Donc vous avez vu, pour une fois, il y a un vrai abattage. La chaîne. Par un vrai type. Normalement. Voilà. Normalement. Parce que moi, je sais pas, j'ai peur de faire ça. De famille, le métier de la gueule. Ouais. Ah, mais oui. Ah, il coupe pas la bonne, hein. Allez, travaille, peignante. Après, un petit coup de. De perche. Oh, voilà, ben nous, on a enlevé ceux qui étaient en bas là-bas, au bord de la route. Là-bas, on a essayé de laisser les billes entières pour qu'ils puissent récupérer un max de bois. Quand il n'y en a qu'un ou en effet des. C'est pas grave. Le principal, c'est qu'il veut plus faire la vie. Ouais. L'autre là-bas, j'avais pas d'autres moyens. Impossible de le ramener autrement à part de le billonner. Dans tous les cas, il valait rien quand même. Il y avait le virage qu'il y avait. Oui, il faisait un peu. Une pirogue. On l'a envoyé en Inde. Allez, coupe. Allez. Allez. Nos gardiens, boss. Ah. Mais voilà. Comment c'est efficace. Efficace qu'on remet. Ça, c'était méchant. Bon, voilà les jambes, on vous laisse, on vous souhaite une bonne soirée. Ne faites pas ça si vous ne savez pas le faire. Ne vous y attelez pas, il faut avoir un minimum d'expérience pour faire ce genre de choses. Ça tombe pas du ciel. Hein? Enfin, l'arbre aussi. L'arbre tombe du ciel. Mais des fois, il pourrait se passer des bricoles entre deux. Donc, le faites pas, ça peut être dangereux. Il va péter là. On l'a perdu le chien. Allez, oui. Allez, tire. Oh voilà. Donc surtout, ne vous y attelez pas à ce genre de choses. Même les vidéos que vous voyez où je suis en haut, ça vous paraît simple, on tire, l'arbre tombe. Oui, dans la méthodologie, on monte, on attache, on tire, l'arbre tombe. Mais faites quand même gaffe, c'est dangereux. Voilà. Il y a 2-3 bricoles à savoir quand même. Il faut en faire un peu d'abord. Voilà. Donc je vous laisse les jambes. Allez, soyez sages. Mais pas trop. Non, pas trop. Et puis nous, on va y aller. Parce que nous, on a fini. On a tout coupé. Donc mon travail à moi, vous le verrez pas. Parce que c'est des petits rushs machin. Vous aurez vu un vrai abattage pour une fois. À peu près. Et donc si vous avez besoin, alors Belvès, Cadouin, non Belvès, tu vas le foutre toi. Villefranche, tous ces coins là. Si vous avez besoin de couper du bois, si vous avez besoin de faire des... Voilà. Ouais, tu fais quoi toi comment? Dans l'entreprise. C'est quoi? C'est l'abattage? Dans l'entreprise, on fait tout, ouais. C'est-à-dire qu'on part. Si vous avez besoin pour un repas. Ah, pas les repas. Mais. Ah merde. C'est les autres. C'est les oui, autres. Tu viens, tu t'assois, tu bouffes. Par exemple. Ah ouais, je comprends. Ça, je sais faire. Moi aussi. Je gère plutôt bien, même la situation. Non, mais on fait tout ce qui est extérieur. Bien sûr, l'entretien des parcs et jardins. Ouais. Et, l'abattage. Les petits élagages, on va dire. Ouais. Voilà, pas comme ce aujourd'hui. Et après, voilà, engazonnement, arrosage, clôture, voilà, tout ce qui est. D'accord, tout ce qui est plantation. Plantation, que ce soit. Donc, si on a besoin, on te trouve à Besse, c'est ça ? Près du Périgord. Près du Périgord. Voilà. Entreprise ? L'évolution parfaite.
Putain. C'est même de bruit. Tout le monde te regarde. Donc, évolution parc et jardin. Vous trouvez ça sur internet, oui, par exemple. Il y a voilà. Une page Facebook aussi. Mais... page Facebook, enfin voilà. Pas très. On ne peut pas être là et en train de pianoter sur l'ordi. Non. On ne peut pas tout faire. Voilà, allez les gens, ciao à tous. Ciao. On dit au revoir aux gens. Au revoir les gens. Au revoir. Au revoir.